Passé où? Le voilà. Day. Bouge pas. Je t'ai eu. Merde, il est rapide. Super. Tout va bien. Cet endroit n'est pas glauque du tout. J'étais trop bête. J'aurais dû trouver autre chose à te dire. Il faudrait que je le répare. J'espère te rendre fière de moi. J'aurais dû donner ça quand j'en avais l'occasion. Tu me manques.
Génial. Qui est là? Montrez-vous! Salut. On veut juste te parler. Un geste brusque et je vous en plante une entre les deux yeux. Pareil pour votre petit copain. Qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle David. Et lui, c'est mon ami, James. On fait partie d'un groupe. Des femmes, des enfants. On a tous très très faim. Moi aussi. Il y a des femmes et des enfants, et on a tous très faim. Eh bien, on pourrait peut-être t'échanger un peu de cette viande. Qu'est-ce qu'il te faut? On a des armes, des munitions, des vêtements... Des médicaments. Vous avez des antibiotiques? Bien sûr. À notre camp. Si tu veux nous suivre... Je vous suivrai nulle part. Il peut aller les chercher. Si il revient avec ce que je veux, le cerf est à vous. Si quelqu'un d'autre se pointe... Tu m'en plantes une entre les deux yeux. C'est ça. Deux flacons de pénicilline et une seringue. Dépêche-toi. Allez, vas-y. Je vais prendre ce fusil. Bien sûr. Reculez. Ça risque d'être long. Ça t'embêterait qu'on s'abrite du froid? Prenez-le avec vous. Voilà. Tu sais, tu devrais pas rester toute seule comme ça. J'aime pas la compagnie. Je vois. Comment tu t'appelles? Pourquoi? Écoute, je sais que c'est pas facile de faire confiance à des étrangers. Cette personne blessée, elle compte beaucoup pour toi. Je suis sûr qu'elle va s'en sortir. On verra. Vous aviez une autre arme? Désolé. Ok, j'aimerais bien récupérer mon fusil. Non, vous avez le pistolet. J'espère que tu sais t'en servir. Je me suis un peu entraînée. On doit absolument les empêcher d'entrer. Espérons qu'ils ne le trouvent pas. Défends les fenêtres. Ok. T'es bien plus doué que moi avec ce truc. Donne-moi un coup de main. Allez, allez.
Il y a d'autres infectés de ce côté. Ils sont un paquet. Ils ont dû te suivre. C'est peut-être vous qui l'ont suivi. Peu importe. On est coincés ici ensemble. Bien visé. Tant pis, on doit quitter cette pièce. Ok, Benjamin. Vas-y, je vais les retenir. Surveille l'escalier. Suis-moi, par ici. Ok. Quel trouvaille. Vous savez où vous allez? J'ai jamais mis les pieds ici. Super. La voie est libre. Par ici. Je suis là. Tu tiens le coup? Ne vous en faites pas pour moi. Ok. T'éloigne pas. Et fais attention. Hé, hey, petite, ça va bien? Ça va. Des claqueurs. Sors de là! La porte est par là. On y était presque. On doit aller là-haut. Là, on peut utiliser cette échelle.
Venez, soulevez-moi. Ok, prête. Mm-hmm. Allez. Ok, dépêche-toi. Et fais attention aux infectés. Je sais. Ok. Et voilà. Allez. Attention. Allez. Par ici. Que les derniers à les avoir affrontés ont perdu. Ah, non. Je cherchais justement ces garçons. Peu importe. Récupère leurs armes. Je vais chercher une sortie. Regarde si tu vois des choses utiles. Tu vois un truc? C'est un cul-de-sac. Comment ils s'y retrouvaient dans le bâtiment? Qu'est-ce qu'on fait, du coup? On les repousse. On n'a pas d'autre choix. Mourir. Je vois. Prépare-toi. Ah!
On s'en sortira, petite. J'en suis pas si sûre. Reste concentré, ça va aller. Ils arrivent! Ils sont combien, au juste? J'en ai aucune idée. Allez, t'arrête pas. Petite! Réussi. On les a tous butés. Tu devrais plutôt être contente. J'ai du mal à y croire. Je vais voir le pont. Écoute. Pas d'infectés. Pas d'infecté. Qu'est-ce que je disais? Ok. On y retourne. Allons voir notre serre. Tu t'en es plutôt bien sorti tout à l'heure. Je crois qu'on fait une bonne équipe. On a eu de la chance. De la chance? Non, non. Je crois pas à la chance. Non, tu vois, je pense que tout arrive pour une bonne raison. C'est ça. C'est vrai. Et je peux te le prouver. Tu vois, cet hiver était particulièrement rude. Il y a quelques semaines, j'ai envoyé un groupe d'hommes chercher de la nourriture aux abords de la ville. Très peu sont revenus. Ils ont dit que les autres avaient été tués par un cinglé. Et figure-toi que ce cinglé était accompagné d'une petite fille. Tu vois, tout arrive pour une raison. Allez, te fâche pas. C'est pas ta faute. T'es qu'une enfant. James, baisse ton arme. Pas question, David. Je vais pas la laisser. Baisse ton arme. Donne-lui le médicament. Ça va pas plaire aux autres. Bah, ça ne te regarde pas. Dégage de mon chemin. Tu survivras pas longtemps dehors. Je peux te protéger. Non, merci.
sortie d'ici. Allez. Joël? Oh. J'ai pas trouvé grand chose à manger. Par contre, j'ai trouvé ça. Lève ton bras. Et voilà. Désolée. C'est bon. C'est fini. Tu vas t'en sortir. Je vais les éloigner d'ici. Je reviendrai après. T'es sûr qu'elle est là ? Eh, il y avait les traces d'un cheval en bas de la rue. Elle est là. Hein ? Eh, va-t'en ! Ramène ton cul ! Qu'est-ce qu'il attend ? Bute-la ! Mais David a dit... On s'en bat ! Bute-la maintenant ! Vraiment la tuer. David a dit qu'il la voulait vivante.
C'est pas à lui d'en décider. James m'a dit que c'était la fille de l'université. Combien de nos hommes ont été tués là-bas? Oh, merde. Je savais pas que... C'était elle. David peut aller se faire foutre. Prends pas de risque avec elle. Je veux juste en finir et rentrer. Je me gèle les couilles.
Sentier de découverte. Bon, ça devrait faire l'affaire. C'est parti. Surtout, tombe pas à l'eau. Tombe pas. Oh, merde. Chemin. Tiens bon, Joël. On ratisse la zone. On doit s'assurer qu'elle se planque pas par ici. Ça marche. Où est-ce que t'es ?
Comment je m'échappe d'ici? Je veux pas être piégée ici. Où est la sortie? Couvre-moi, j'avance. Voilà la sortie. Sécurité. T'en fais pas. Comment tu te sens? Super. Tiens. Faut que tu manges. Je sais que t'as faim. T'es resté longtemps dehors. Qu'est-ce que c'est? Tu sais? Avec de la viande humaine en accompagnement? Non. Non, je te le promets, c'est juste du cerf. Espèce de monstre. Ah. Un peu rapide comme jugement. Quand on sait que toi et ton ami, vous avez tué combien d'hommes? Ils nous ont pas laissé le choix. Et tu crois que nous, on a le choix? C'est ça? Vous tuez pour survivre. Tout comme nous. On doit s'occuper des nôtres, à n'importe quel prix. Et maintenant? Vous allez me découper en petits morceaux aussi? J'aimerais mieux pas. Allez, dis-moi ton nom. Tout ça, c'est des conneries. Au contraire. J'ai été... plutôt honnête avec toi.
maintenant à ton tour. C'est le seul moyen de convaincre les autres. Les convaincre de quoi ? Que tu peux vivre ici. Tu as un cœur. Tu es loyal. Tu es spécial. T'es vraiment stupide. On peut pas dire que tu m'aides à te sauver la vie. Qu'est-ce que je vais dire aux autres maintenant ? Ellie. Quoi ? Dites-leur que... Ellie est la petite fille qui... vous a pété votre putain de doigt ! Comment t'as dit ? Hein ? En petits morceaux. À demain matin, Ellie. 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 Ugh.